Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Alors, bonjour Éric, encore pour le Trio Hockey. Éric, les bâtons de joueur, moi je suis un ancien gardien, hein? Ça fait que ça c'était plutôt pour l'ennemi, là. Moi je sais pas, fait que je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Mais ça c'est quand même un bâton qui est assez spectaculaire au niveau du poids, au niveau des composites et tout ça. Oui, exactement. Bien, pas juste pour ton, plus pour que tu saches, on va venir au bâton de gardien, à l'équipement de gardien un petit peu plus tard dans la saison. Ah, bien ça c'est bon, ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Toi, mais, oui. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre parler du nouveau bâton que tu as entre les mains. C'est le tout dernier de CCM, c'est le Ribcourt Trigger 4. C'est exactement le même bâton que Sidney Crosby utilise. OK. Bien, Crosby, c'est un joueur qui aime travailler en bas de la zone. La plupart de ses buts, c'est près du filet lorsqu'il marque. Donc, j'imagine que pour décocher les tirs, il doit avoir une caractéristique qui est reliée à son style de jeu. C'est exactement. Le point de flexion est bas. Donc, ça fait en sorte que tu dégaines tes tirs beaucoup plus rapidement, ouais. Puis aussi très précisément. Ben écoute, lui, c'est vraiment sa force. Puis moi, je reviens toujours, je me ferme les yeux, puis je le vois encore marqué aux Olympiques, alors qu'il était pratiquement sur la ligne des buts quand il a marqué. Tu sais, Eric Sherwood, pendant longtemps, ils ont été vraiment tout seuls dans le marché. Les bâtons de hockey Sherwood, ça faisait... c'était la référence. Et là, on dirait qu'ils reviennent en force avec le Wrecker. Exactement. On a parlé plutôt dans la saison du Wrecker M90, qui est le bâton haut de gamme, donc plus cher. Oui. Celui-là, c'est le Wrecker M85, qui est exclusif à nous. Vous ne le retrouverez pas nulle part ailleurs. Okay. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la construction est vraiment performante, mais c'est à un prix beaucoup plus abordable. OK. Donc ça, là, pour les jeunes dans le hockey mineur, les parents vont chercher un bâton qui est quand même performant, surtout les niveaux de compétition. Puis ils vont être capables de retrouver bon point de flex, bonne composition au niveau de la palette. Ce que je trouvais aussi de la palette, on a vu des bâtons plus qui coûtaient plus cher un peu plus tôt. Puis on a encore la forme arrondie, là, donc Maniman Rondel, René. Exactement. C'est un excellent bâton, les joueurs de hockey mineur. Quand tu n'as pas le même budget que certains autres joueurs, ouais. Ce bâton-là est vraiment incroyable. Éric, notre troisième bâton, c'est le Vapor de Bauer. Honnêtement, là, je regarde ce bâton-là. Premièrement, il est super beau. Le design, le cosmétique, le choix de couleurs. Ça s'adresse à quelle catégorie de joueurs, ça? C'est ouvert. C'est un bâton fait pour n'importe quelle catégorie. Ouais. Il est offert en senior, junior, intermédiaire. Ouais. Mais pour le prix, c'est un bâton qui ressemble beaucoup. Il y a des performances apparentes au bâton haut de gamme qui est le Flylight. Mais le 2X Team est vraiment un bâton moins cher, mais aussi performant que les autres. Puis écoute, je sais pas combien ça pèse, là, mais je suis épaté. Le poids de ce bâton-là, c'est hyper léger. C'est quoi le poids d'un bâton comme celui-ci? C'est 440 grammes. 440 grammes? Ouais. Écoute, je mange ma soupe, d'après moi, ma cuillère est plus pesante que ça. C'est fort, incroyable. Fort probablement. Mais c'est de la soupe consistante. Là, mais... ben écoute, vraiment, là, je trouve que c'est un super beau bâton. Et la semaine prochaine, on va parler de patins, si ça te dérange pas. Pas de problème. J'ai quelques questions pour toi.